guerriers, héros et autres mercenaires, venez vous inscrire pour le combat des 100 mains. J'ai rencontré Roxana sur Idrea. Elle m'a dit de m'adresser à toi pour prendre part au combat sur Mellos. C'est bien moi. Je m'appelle Drakios. Cassandra, j'aimerais participer à ce... Comment l'appelle-t-on déjà ? Le combat des 100 mains rassemble des guerriers de tout le monde grec, attirés par la récompense. Mais c'est une épreuve difficile et extrêmement meurtrière, car à la fin, il ne peut en rester qu'un. Je travaille surtout dans l'ombre. Je ne connais pas ma force aux yeux de tous. Il est vrai que seuls les mieux entraînés peuvent espérer briller lors du combat des 100 mains. Je ne peux rien promettre. Si tu prends part au combat, tu auras l'occasion d'affronter les meilleurs. Et comme cette épreuve est appréciée par les gens les plus riches et les plus influents du monde grec, la récompense ne cesse de grandir. Si tu penses aux mêmes personnes que moi, j'aimerais les rencontrer et leur dire un mot. En effet, ce sont des gens dont je ne prononce jamais le nom en public. Tu sais, tu ressembles à quelqu'un que j'ai déjà rencontré. Quelqu'un de féroce. Un air de famille, peut-être. Tu parles de Deimos ? Alors ce combat est encouragé par le culte. Je ne peux vraiment pas en parler. Surtout pas aux concurrents. Mais si tu remportes le combat des 100 mains, je te dirai tout ce que je sais. Je veux participer au combat. Je m'y attendais. L'unique règle est que chaque concurrent doit s'entraîner avec un autre. Et chacun se porte garant de son adversaire. J'ai déjà rencontré Roxana sur Idrea. C'est ce qu'on m'a dit. C'est elle que j'aurais recommandée, car elle est l'une des meilleures concurrentes. Si tu parviens à t'entraîner avec elle, tu seras assuré d'obtenir une place au combat. Comment es-tu devenu l'organisateur de cette épreuve ? J'ai travaillé comme marchand dans la région. Mais ma chance a tourné. Je devais divers services, et des gens puissants sont venus me le rappeler. En fait, ça a été ma chance. Ce genre de sport est très apprécié sur Mellos. Ces gens puissants, justement, ils appartiennent au culte de Cosmos, n'est-ce pas ? Les mystérieux. Tu veux les rencontrer ? Je sais, mais ça devra attendre. Longtemps ? Je reste proche de tous les champions. Si tu remportes le combat, nous en parlerons en buvant à ta victoire. Que peux-tu me dire sur Roxana ? Elle est issue d'une longue lignée de prétendants. Presque tous les membres de sa famille ont tenté de remporter le combat des 100 mains. Une longue lignée de champions. Mais aucun d'eux n'était aussi doué que Roxana, sache-le. D'où vient cette tradition de combat déchaîné sur Mellos ? Tout a commencé par l'appui financier des gens dont je t'ai parlé. La métaphore veut que chaque combattant affronte un hécatonkir. La créature a 50 têtes et a 100 mains. Exactement. Triompher des autres concurrents revient à tuer cette créature elle-même. Ce qui est un exploit. Cette épreuve n'est pas destinée aux novices. En effet. Je suis prête à concourir. Ah, Roxana m'a dit que l'entraînement se déroulait bien. Retrouve-moi en ville, près des portes. Le combat va bientôt commencer.